Les tops, venez on allie. Master, master, master. On allie, on allie, on allie, on allie, on allie. Non, non, t'es KT. Bon, on est top, mec. Pas de verre, vas-y. En fait, je compte le mur, c'est une blague. Ciao, GG, allez les mots. Le kebab. Qu'y a des pommes, les gars. Moi, j'ai pas. Bon, ciao. Les gars, je vais crever, moi. C'est tellement chaud. Non mais mec. Adieu. Pourquoi tu me tues moi? T'es un pingouin. GG, GG. GG. Est-ce que les gars, est-ce que vous avez bah, de l'or? Je peux faire une pomme si vous voulez. Bah moi j'ai 7 or. Vas-y. Moi j'ai plus de vie du tout. C'est qui a plus de vie? Moi j'ai. Ok. Bon écoutez, salut. Et machin, tu peux me mettre en game mode, merci. Salut à tous. Mais attends, mais Bichard il a. Il a 0,5. Oui bah il est passé. Machu. Machu, tu peux me. Pourquoi? Tu peux me rajouter, s'il te plaît. Il est passé une pomme. Tiens. Baston, une pomme. Tiens. J'ai qu'une seule pomme. Machu, tu peux me. Je peux plus passer, j'ai plus qu'une pomme, il faut que je régène. Machu, Machu, s'il te plaît. Attends. Et Ghostbar, il peut faire. Oh là là, le sale, on allait faire un fight. Mais t'es sérieux? Une pomme, une pomme, une pomme. Merde, mais. Mais c'était quoi? Mais attendez, je comprends plus qui a en fait, on doit tuer. Pourquoi? Qui? Qui? Avec qui? Master, vas-y. Vas-y, si tu veux. Mec, on est en train de ouais, pas l'arc, par contre, on avait en quête. Bon, c'est qui reste? Oui, allez. GG. Allez, je le prospect, moi. GG. C'est qui a gagné? Les top? Oh, bah, GG. J'ai... Ah bah t'es mort, tu t'es fait ramasse. Oui. Ouais, bon ça va rien. De toute façon, je me serais fait ramasse aussi, donc... GG. Bon voilà les amis, c'est ainsi que se finit cette belle aventure de Top Gun 5 de Exo. Donc merci, déjà merci, un grand merci à lui de m'avoir pris pour cette saison. Avant toute chose, je tiens à dire que je serai réinvité pour la prochaine saison. Donc déjà, bah, merci à lui d'être d'accord pour me réinviter. Et donc, bah voilà, vous aurez la saison 6 de Top Gun de Exo. Donc ça fait extrêmement plaisir. J'ai vu que bah, la série vous a énormément plu. Vous avez été nombreux à chaque fois à me dire ah, « c'est quand prochain épisode ?»« Super bien joué, GG, tout ça. J'adore la série. » Bon, bah écoutez les amis, ça fait extrêmement plaisir. Bah, si vous aimez les Top Gun, vous serez servi puisqu'il y aura la saison 2 de Top Gun Friends. Il y aura... la saison 6 de, bah, de Top Gun voilà donc que dire, vous avez pu voir comment ça se finit. Bah, j'ai fait 4 kills je crois en tout, peut-être, ouais je sais plus, et on a fait un fight final moi et Master entre top, et bon je l'ai mis à 2 coeurs, voilà c'est pas grave, il avait peut-être une meilleure épée que moi parce que, ou peut-être un meilleur stuff parce que j'étais pas non plus overstuff hein. Les tops ils étaient vraiment 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 bien stuff. Bon au pire c'est pas grave, pour moi j'ai gagné puisqu'on a gagné en team, après gagner en solo c'était autre chose, c'est pas grave, et puis quoi qu'il arrive comme vous avez pu le voir je me serais fait ramasse clean up. Voilà, bon j'aurais pu aussi tuer Bijar comme vous avez vu, il était à 0,5, mais bon moi je voulais pas faire le bâtard ni rien, donc
Donc voilà, pourquoi il n'y a pas de debriefing, etc. Parce qu'on n'a pas réussi à trouver un arrangement avec Dark, Psychose, Machu et tout ça, parce qu'on était trois. Enfin bon, il n'y a pas de débrief pour cette série. En tout cas, bah, j'ai fait de super connaissances. Dark, Machu, The Nas Crafter, on n'a pas eu le temps de trop parler parce que Miskin est mort troisième épisode alors que c'était même pas la top. Ça m'a arrangé, mais bon, voilà. RT à lui. Mais en tout cas, moi, ça m'a permis de mieux connaître un peu Machu et Dark. Ce sont des super mecs. J'espère pouvoir refaire des séries, des events ou même, pourquoi pas, des games avec eux. Hein. Ça fait extrêmement plaisir. Vous avez pu voir déjà Kill the Golden où j'étais en vocal avec Dark. N'hésitez pas à aller voir leurs chaînes respectives d'ailleurs. Parce que tous ceux qui étaient sur le Top Gun avaient une chaîne. Après, il y en a, ils ont rec ou pas rec, ça. Voilà. Donc allez checker tous les points de vue, voir comment ça s'est passé pour tout le monde. Et puis voilà, j'espère que cette fin d'épisode qui était très attendue vous aura plu. Vous avez pu voir un kill, j'aurais peut-être pu en faire deux, mais quoi qu'il arrive je me ferai clean up par les autres top. Donc pour moi c'est pas, je sors pas de là avec des regrets. Que avec des bons souvenirs, c'était bien chaud. Après il y en a qui disent que je suis asthmatique les gars, alors... Je sais pas pourquoi vous dites ça, peut-être parce que je respire. En fait, le micro, il est super près de ma bouche lorsque je tourne. Il y a un anti-pop et tout ça. Enfin bon, je suis pas asthmatique, c'est juste qu'en fait, c'est le stress de ouf. Vous vous rendez pas compte. Dans l'épisode 7, je suis en 1v5, les gars. Je suis en 1v5, j'essaye de me faufiler parmi les autres équipes de top, là. Je suis pas bien. Du coup, je respire un peu fort. Je suis pas du tout asthmatique. J'ai jamais eu de problème. Donc voilà. Et puis, qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre? Je profite pour vous dire qu'il y aura pas mal d'events à venir sur la chaîne. Il y aura Fallen Kingdom saison 1, KTM saison 16, KTF saison 2. Et puis, pas mal d'autres choses. Il y aura le tournage fin septembre de Skydef saison 1. Vers octobre, je crois, il y aura tournage de Super Top Gun saison 1. Écoutez, les amis, tout ce petit programme fait extrêmement plaisir. Il y aura tout ça sur la chaîne. Je pense que ça va vous plaire, étant donné que vous aimez les Top Gun et les events. Donc, voilà. Il y aura aussi la suite des Let's Play, genre Pokémon Ruby Omega, Nazuma 11. Il y aura les reprises des UHC Run. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu d'UHC Run sur la chaîne. J'en avais mis masse d'un coup, et puis là, il y en a un peu moins. Mais bon, j'ai recommencé à en tourner, donc vous inquiétez pas. Il y aura du skill, MDR. On continue les UHC Highlight, principalement sur UHC Games. Il y aura peut-être un ou deux sur Epic Cube. Puis après, moi, les autres serveurs, je joue pas trop, parce que voilà, je joue avec là où il y a les potes qui jouent. J'ai pas même envie de faire des UHC seul, c'est pas trop marrant. Voilà, donc je vous ai un peu raconté, je profite, hein, parce que... pour essayer que ça fasse 20 minutes. Fait que ça tienne, quoi. Qu'est-ce que je pourrais vous rajouter, vous parler? Déjà, encore une fois, merci pour les 2000 abonnés. Ça fait extrêmement plaisir. Hein. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça fait du bien, c'est cool. Après, bon, je ferai une vidéo pour un peu expliquer ce qui se passe sur la chaîne en ce moment. Plus en détail que celle-ci. Et puis voilà, je vous remercie encore pour tous les pouces bleus, puis la queue que vous avez fait à cette série, et puis même aux autres qui sont en parallèle. Franchement, vous avez été nombreux et ça fait, c'est cool, c'est vraiment cool, c'est vraiment très cool, et c'est pour ça que j'ai encore plus envie de continuer à faire ça. Et n'hésitez pas à me dire si vous voulez des séries avec genre d'autres youtubeurs ou des gens précisément, ou même avec vous, dites dans les commentaires si vous voulez faire des parties avec moi. Voilà, il n'y a pas de problème. Hein. Moi, par exemple, sur Epicube, je vous accepte tous, hein, un ami, dès que vous me demandez. Donc, partout, je vous accepte. Vous êtes les bienvenus. Vous faites de plus en plus partie de ma vie. J'ai fait beaucoup de sacrifices pour YouTube. Donc j'espère être récompensé du mieux que je peux un jour. RT les rageux, d'ailleurs, tous ceux qui mettent des pouces rouges à cette vidéo, je vous salue. Parce que,
En fait, dans la communauté, je vous aime bien parce que vous vous abonnez juste en fait pour dislike les vidéos. Et bon, moi je m'en fous parce que c'est le principe des rageux quoi. Voilà, donc je vois par exemple sur UHC Games, sur Epic Cube, tous les rageux qu'il y a. Franchement, ça me fait rire. Moi, ils disent tu rages. Voilà. Après, quand tu te fais focus sur des serveurs et que tu dis GG focus 1v3 ou 1v4. Et qu'après ils te disent SP Gafil, easy, easy, get rec, easy. Voilà, quand tu vois ça, les gars, si c'est pas du rage, tu veux que ça soit quoi? Si j'y pense, bah, je pense, si j'y pense, là, je vous mettrai des screens. Il y a des trucs, des fois c'est ouf. Hein. Je suis pas à plaindre, franchement, j'ai beaucoup de gens qui me soutiennent et ça fait plaisir. Voilà, bon, j'espère en tout cas que cette série vous aura plu, que mes vidéos en ce moment vous plaisent. Il y aura du multigaming aussi, parce que j'ai pas envie de me spécialiser que dans un jeu, même si là, beaucoup, beaucoup de Minecraft. Il y a aussi du Rainbow, etc. Donc voilà, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, les amis, vous êtes super. On se retrouve très, très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao!